Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui nous font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, nous sommes là ce soir. Je vais quitter tout à l'heure avec mes compatriotes. Mais j'ai décidé de vous parler très rapidement parce que à la fin de notre publication, dans laquelle je vous parlais d'après les informations qui nous arrivent, d'une éventuelle arrestation, nouvelle arrestation de Mbapu Parfait pour toujours la même affaire, qui change de posture et qui change d'accusation, tente de rattraper là où ils ont échoué. Malheureusement, c'est trop compliqué pour eux. Mais à la fin de cette publication, nous recevons une information et des vidéos nous montrant l'une de nos compatriotes en train d'être assassinée par des individus apparemment présentés comme des Asiatiques qui lui ont ôté la vie. Je voudrais ici vous montrer la vidéo de quand ils sont allés l'agresser dans sa chambre. Je ne vais pas vous montrer la vidéo, je vais vous l'envoyer aussi, la deuxième vidéo, en inbox, là où elle est couchée, quand ils l'ont ôté la vie, ils l'ont laissé nu sur son lit. Je vous invite à écouter et à regarder. Les âmes sensibles, soyez forts parce que ça crie vraiment, elle est en train de lutter contre deux hommes qui lui ont ôté la vie. C'est horrible. Écoutez et regardez. Je vais faire un truc seul. Ah bon? 30 minutes. Bien, comme vous avez donc constaté, deux individus, un RSC au niveau des escaliers, ils sont venus cogner à sa porte, elle l'a ouvert, l'autre a forcé, a appelé l'autre, ils l'ont ôté la vie dans sa chambre. Beaucoup de commentaires
D'après les messages que nous avons reçus accompagnant ici et ces vidéos, nous parlons d'une travailleuse de charme. Pour le dire comme ça, ici, ce n'est pas notre problème de juger les métiers des personnes. Je n'ai pas besoin ici de juger le métier de qui que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est que nous venons de perdre une compatriote, une Camerounaise. Alors, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, je voudrais ici présenter mes condoléances à sa famille, à sa famille atomique, à ses enfants si elle en avait, à son mari, ses frères et sœurs, ses parents, à ses amis, à sa communauté en Europe, là où le crime s'est passé. Et enfin, à toute la communauté camerounaise de la diaspora. Nous venons de perdre l'une des nôtres. Comme je vous le rappelle tous les jours, nous sommes en guerre. Nous sommes au combat. Toute personne se retrouvant à l'extérieur est venue se battre pour chercher des conditions de vie meilleures, pour aider sa famille. Pour vivre et faire vivre, pour vivre et aider les autres à vivre. Alors, je ne suis pas ici pour juger les métiers de qui que ce soit. Quel que soit le métier pour lequel elle se battait pour survivre, je ne suis pas là pour juger les métiers des gens. Je suis affecté d'avoir perdu une compatriote assassinée par deux individus qui doivent être recherchés par les forces de l'ordre. Chaque fois qu'un incident comme celui-là arrive, ça doit vous inspirer plus de sécurité. Elle n'est pas la première. J'ai vu une qui avait été tuée, calcinée dans un camion à Vincennes. Il y a une autre qui avait été défenestrée. Là, c'était avec par son mari. Chaque fois que nous perdons l'une des nôtres, c'est toujours un enseignement. Un enseignement. Vous qui travaillez, quand vous regardez cette caméra-là, vous voyez très bien que la caméra balaie les escaliers, mais pas bien, pas visiblement, pour pouvoir voir la deuxième personne. Mais la première personne est plus ou moins visible. On se rend compte que ces personnes n'avaient pas de gants. Donc, si la police fait son travail, on peut les retrouver. Ils ont touché les poignets des portes, ils n'avaient pas de gants, ils l'ont touché elle. Donc, on peut relever des empreintes et chercher. C'est toujours très difficile. Quand nous perdons l'une des nôtres ou l'un des nôtres à l'étranger, parce qu'on ne nous respecte pas à l'étranger. J'ai difficilement vu ceux des nôtres qui ont perdu la vie comme ça et que la police s'est activée à les chercher. Donc, c'est encore une autre leçon. Nous sommes tués à l'intérieur de notre pays, nous sommes tués à l'extérieur. Le peuple camerounais est un peuple hospitalier qui accueille les personnes. Rarement, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais rarement j'ai trouvé ou vu le corps d'un blanc traîné dans notre pays parce qu'il a été, la vie lui a été ôtée. Ce n'est pas dans notre culture de ôter la vie aux étrangers. Ce n'est même pas dans la culture des Africains de ôter la vie aux autres. Cette culture barbare qui nous est imposée comme ça par ceux qui sont arrivés chez nous et a été adoptée par ceux qui n'ont pas la valeur humaine. Par ceux qui n'ont pas la valeur humaine. Qui n'ont pas le respect de la valeur humaine. Voilà une fille comme celle-là, très belle, qui s'est fait ôter de la vie pour rien, pour des lâches qui vont comme ça à deux dans une chambre, aller ôter la vie à une fille. On ne sait pas quelles sont les raisons. Vraiment, la raison ne m'intéresse pas. Aucune raison ne permet à quelqu'un de ôter la vie à une autre personne. Quelle que soit la raison, je ne peux pas chercher des circonstances atténuantes pour dire que peut-être
Je ne peux pas chercher. On a tué l'une des nôtres. On lui a ôté la vie. Ça doit nous mettre dans une condition de réflexion profonde. Jusqu'à présent, nous avons eu d'autres vidéos montrant cette fille dans ces moments festifs. Organisé par Lily Lamour et par le chocolat. Allez, un sauce. Que vous allez bien sûr voir à travers ces images qui défilent. Et elle a perdu la vie comme ça. Je tiens ici à vous le dire, mes chères sœurs, mes chers compatriotes, tout métier est un métier à risque. La fille qu'on vient de ôter la vie là, je ne suis pas sûr qu'elle parlait mal de Paul Biya. Je ne suis pas sûr qu'elle parlait mal du régime de Paul Biya. Peut-être qu'elle était même contre nous, je ne sais pas. Peut-être qu'elle dénonçait même le combat que nous menons, je n'en sais trop rien. Mais elle a perdu la vie dans un autre cadre. Ça peut arriver à tout moment. Protégez-vous. Multipliez les sécurités. Vous pouvez arriver dans un immeuble. Vous voyez pourquoi est-ce que je vous dis que chez moi c'est câblé? Cette fille était dans sa chambre. Elle était dans sa chambre. Les gens sont venus cogner. D'après ce qu'on nous dit, c'était son lieu de travail. On a vu l'entrée des gens. On a vu l'entrée, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Elle ne faisait pas le combat. Elle n'était pas activiste, tout du moins, pas ma connaissance. Je ne sais pas si elle faisait la politique ou pas, mais elle n'était pas activiste. Peut-être qu'elle était parmi les filles aussi qui font leur vie comme ça, mettre l'ambiance dans les réseaux sociaux. Mais elle a trouvé la mort. Pas par les Camerounais. Pas les Asiatiques. Je ne sais pas si elle les connaissait, si elle ne les connaissait pas. Ça doit attirer votre attention. Soyez prudent. Soyez prudent. Même si vous faites n'importe quel métier, quel que soit le métier que vous faites, arrangez-vous à mettre des extra caméras. Oui, monsieur. Certaines personnes qui font le métier de nuit, les métiers liés au charme, fonctionnent parfois avec les agents de sécurité. J'ai souvent vu des professionnels fonctionner avec des agents de sécurité. Quand les gens ont déjà étudié votre mouvement, vos comportements, ainsi de suite, peuvent vous attirer comme ça pour venir vous ôter la vie. Quelle est la raison pour laquelle les gens peuvent aller ôter la vie à une personne comme ça? Il n'y a aucune raison valable pour que tu puisses ôter deux personnes, vous allez ôter la vie à une fille. Vous êtes des lâches. Lâches. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, nonobstant les divergences idéologiques et les convictions que nous pouvons avoir, soyons prudents. Nul ne peut se réjouir de la mort d'un être humain. Nul ne peut se réjouir de la mort de son compatriote. Soyez prudente et soyez prudent. Quel que soit le métier que vous faites dans votre vie, la vie et la mort ont cette taille-là, la même taille. Soyez prudent. Chaque métier vous pousse à multiplier les vigilances et à quadrupler de sécurité. Je vous dis sincèrement, soyez prudent.
Aucun métier n'est un métier où tu te dis, voilà, ça, ce métier-ci, rien ne peut m'arriver. Tous les métiers sont des métiers à risque. Même manger est un risque. Être cuisinier est un risque. Être médecin est un risque. Être chauffeur est un risque. Militaire encore, je ne vous en parle pas. Le risque est permanent. Être travailleur du sexe est un risque encore même plus élevé. Parce que tu ne sais même pas qui tu rencontres. Tu ne sais pas qui tu côtoies. Tu ne sais pas qui, avec qui tu seras. Quelqu'un peut même venir vers toi et double même 400 préservatifs, mais le préservatif se pèse alors qu'il est malade. Il te dépose une maladie qui n'était pas la sienne. Tu te retrouves comme ça, morte deux fois. C'est-à-dire, tu es vie, tu marches, mais tu es mort. C'est-à-dire, tu es morte, mais tu es vivante. S'il vous plaît. Soyez prudent. Soyez prudente. C'est vrai que la mort arrivera à tout moment. À n'importe qui. Mais multipliez les sécurités que si elle arrive, quand tu dis que voilà, voilà, c'est quand même, you know. Là, quand vous regardez ces images, vous voyez une jeune fille qui ouvre la porte peut-être à des personnes, les connaissait-elle, je ne sais pas. On vient lui ôter la vie comme ça. Faites très très attention. Faites très très attention. Et voilà une fille, très belle fille. La mort l'a trouvée chez elle. Elle n'était pas en Irak. Elle n'était pas en Palestine. Elle n'était pas en Ouzo. Elle n'était pas en Ukraine. Elle n'était pas en Israël. Elle n'était pas au Soudan. Elle n'était pas au Yémen. Elle n'était pas au Mali, au Burkina. Elle n'était pas au Niger. Elle n'était pas au nord-ouest ni au sud-ouest. Elle n'était pas au grand nord du Cameroun. La mort la trouve chez elle, dans la maison, là où elle faisait, dans sa chambre. Vous voyez? Faisons attention. Que son âme repose en paix. Donc ici, vraiment, je veux effectuer mon voyage étant très triste. Triste pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous perdons un être humain qui ne demandait qu'à vivre. Triste parce que nous quittons chez nous pour venir se chercher, pour nourrir les parents, pour accompagner les nôtres. On vient perdre la vie comme ça par des individus sans foi ni loi. Alors que le Cameroun est comme l'Amérique. Nous accueillons tout le monde. Toutes les nationalités de la Terre sont représentées chez nous. Je dis, toutes les nationalités qui vivent sur cette terre sont représentées au Cameroun. Et vivent même, ces nationalités-là vivent mieux que les Camerounais dans notre propre pays. Le Cameroun est comme l'Amérique. Et voilà le sort qu'on nous réserve dans d'autres pays. Cela ne va pas nous amener à changer la vie. Cela ne va pas nous amener à détester les gens. Parce que ce n'est pas dans notre nature. Continuons à aimer les gens. Mais chacun payera ce qu'il a fait sur cette terre. Ces gens vont être retrouvés. Ces gens seront arrêtés. Les gars qui ont posé cet acte-là seront arrêtés. Believe me. Et payeront le mal qu'ils ont fait à cette femme. Je voudrais ici vous renouveler mes condoléances et vous inviter, peuple camerounais, à être prudent. Ceux qui doivent tenir ce discours sont les ambassadeurs et le consul. Ça vous démontre encore que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc notre mission ici, c'est de vous rappeler régulièrement les fondamentaux. Quelle que soit la nationalité que vous avez, quel que soit le passeport que vous avez, respectez le pays d'accueil. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. Macron l'avait dit. N'oubliez jamais d'où vous venez. Ne pas oublier d'où vous venez, c'est de ne pas baisser la garde. À tout moment, en tout lieu et à toutes circonstances, soyez toujours sur vos gardes. Quel que soit le métier que vous faites. Que vous soyez taximan. Vous avez vu qu'on a tué un taximan camerounais une fois. Il faisait son travail. On l'a tué. Soyez sur vos gardes. Quel que soit le métier que vous faites. Nos compatriotes sont tués tous les jours au Liban. Tous les jours où les Africains sont tués, défenestrés, assassinés, violés, tués alors qu'ils sont allés là-bas que pour travailler. Personne au Cameroun ne s'est bien levé pour dénoncer ce qui arrive à nos compatriotes au Liban. Donc nous sommes des enfants orphelins, sans père ni mère, point de vue institutionnel.
où nous n'avons personne. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Alors ça devrait vous ramener à vous souder encore un peu plus, à vous rapprocher un peu plus. Être en désaccord idéologique ne fait pas de vous des ennemis. Vous êtes en désaccord idéologique parce que vous voulez que certains veulent que leurs idées prospèrent pour arranger le pays. C'est pour ça qu'il est toujours très important de mettre sur pied une démocratie. Je vois des gens finir de jouer au football ensemble. Ils se battent pour gagner. Mais à la fin, ils s'embrassent. Je vois des gens jouer au tennis. Ils se battent pour gagner. Mais celui qui gagne, finalement, à la fin, il s'embrasse. Je vois des boxeurs. Ils se donnent des coups de poing. Mais à la fin, c'est celui-même qui a perdu, qui lève la main du gagnant. Il dit que oui, il a été plus fort que moi. Il s'embrasse. Les Camerounais, vous êtes les seuls qui agissez. Même les animaux n'agissent pas comme ça. Vous vous détestez pour rien. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez des idées, divergentes. Ça fait de vous des ennemis, même pas des adversaires. Des ennemis au point de vous souhaiter la mort. Au point d'inventer le mensonge sur les uns et les autres. Comment pensez-vous que vous allez être solidaire quand vous avez un esprit comme celui-là? Le monde devrait s'arrêter aujourd'hui parce que nous avons perdu l'une des nôtres. Les manifestations devraient être partout parce que nous avons perdu une des nôtres, tuée dans un pays où nous sommes censés être en sécurité. Oui, des trucs comme ça devaient arriver dans des pays autres. Alors j'attire votre attention. Vous n'avez ni père ni mère. Votre père, c'est le voisin. Votre propre frère. Votre père, c'est moi. Vous êtes mes parents. Je suis votre parent. Donc nous devons nous serrer comme ça pour nous souder. Sans cette solidarité-là, nous sommes vulnérables. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Faites attention. Nous sommes et nous resterons toujours des étrangers. Quel que soit le chemin pris, emprunté, quel que soit le pays qui nous a accueillis, nous sommes en escale, temporaire. À la recherche de la vie, nous sommes en train de faire le tour. Notre destination est la même, le Cameroun. Ne l'oubliez pas. Ne vous sentez pas très confortable ailleurs. Et ne baissez pas la garde. Soyez toujours sur le qui-vive, mes chers amis, mes chers compatriotes. C'est dangereux. Nous venons de perdre l'une des nôtres au combat. Elle est allée chercher la vie. Elle en a laissé la sienne. Elle est allée chercher les meilleures conditions de vie. Elle a laissé la sienne. Ça doit interpeller chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Multipliez les vigilances. Très bien. Que son âme repose en paix. Mes condoléances à tous. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Numa, Patrice Numa. Je réponds au 001-551-666-1027. I love you, but God love you more. Thank you.